Dans sa demeure à Douchy, Alain Delon avait été interrogé par les gendarmes dans le cadre de la plainte de ses enfants contre Jérôme Hirolin. L'occasion pour lui d'évoquer les accusations de violence en faisant une surprenante révélation. Avant que la plainte des enfants d'Alain Delon contre Jérôme Hirolin ne soit classée sans suite, les enquêteurs avaient mené des investigations approfondies. Les véritables liens de l'acteur avec l'ancienne assistante réalisatrice ou encore les accusations d'abus de faiblesse dont elle fait l'objet, tout a été scruté par les gendarmes. Ces derniers ont ainsi interrogé le comédien de 88 ans afin d'avoir sa version des faits. Déjà très affaibli dans sa demeure à Douchy, à l'époque, le Guépard a cependant été très clair en confirmant soutenir l'action en justice d'Anthony, Alain Fabien et Anouchka. J'en suis heureux et fier, ils veulent qu'on arrête de me faire chier, a-t-il confié, comme le rapporte Le Parisien. Alain Delon a également confirmé le harcèlement de la franco-japonaise de 66 ans dans sa façon d'être au quotidien, par le langage. Alain Delon maltraité par Jérôme Hirolin met en réponse à S et frappe concernant les violences qu'il aurait subies de la part d'Jérôme Hirolin. Alain Delon a fait une surprenante révélation aux gendarmes. Verbalement, si on laisse aller, ça finit mal, a-t-il déclaré, avant de confirmer qu'il avait été maltraité en réponse à S et frappe physique, quand elle énervait. L'acteur ainsi surtout avoué avoir été violent avec Jérôme Hirolin. Le Parisien révèle qu'il a même mimé une gifle. Des faits qui confirment le témoignage de celle avec laquelle il entretenait une forme d'amour avant de se lasser de leur relation. Selon des informations du quotidien, cette dernière avait remis à la justice un courrier de 10 pages daté de 2010 dans laquelle elle se plaint à une amie de l'infidélité et de comportements violents de l'acteur.